Alors, nous lisons Jean chapitre 15, verset 7. Je m'en vais lire. Là, il est écrit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Nous lisons aussi dans Romains au chapitre 10, verset 8 à 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Père Céleste, voici ton peuple, nous sommes ensemble réunis. Je te prie que le Saint-Esprit nous parle, nous conduise, nous enseigne, nous donne la foi nécessaire pour que nous puissions jouir de toutes les bénédictions que tu nous as promises. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous asseoir, bien-aimés. Je vais vous lire des petites citations. Je vais vous montrer des points. N'est-ce pas, qui peuvent nous enseigner. Et ça peut nous permettre d'ancrer une plus grande foi. Je m'en vais lire d'abord dans la prédication de la foi de 61. Je vais lire ceci au paragraphe 29. Il dit ceci. Ainsi, certaines personnes attribuent la puissance de guérison à quelqu'un d'autre, à des évangélistes, etc. Ce n'est pas cela. Ezali bongo te. Amen. Amen. On a corrigé bisoté. A l'impression que Fulan inda zali na don de guérison, Fulan inda zali na boye, azana boye. Abi que c'est pas ça. Il faut Amen. Amen. Alobi que ce n'est pas ça. La puissance de guérison est en vous. Est-ce que nous disons Amen? Amen. Ezalinde na kati na yo. Ezalite que prédicateur wana ou telle personne dans un angote. Nous disons Amen. Amen. Toi aussi, c'est le canis. Elle est en vous. Vous voyez? L'évangéliste n'a pas le pouvoir de guérir. Amen. Il n'a pas le pouvoir de guérir. Je continue au paragraphe 30. C'est ainsi. Excusez, c'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de guérir. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Et vous avez le Saint-Esprit. C'est le petit arbre que vous êtes. Et toutes les choses dont vous avez besoin sont en vous. Amen. Dans le pouvoir, on est à guérir. On connaît les avoir. Alors, Ezali, le canisson les a bongotés. À se corriger, Bissot. Alors, que Saint-Esprit, Ndazali, Nangouya, il y a pour guérir. Ce qui Saint-Esprit, Azali, Katinayo. Amen. Amen. C'est ça, justement. On a déjà la guérison, on a Katinayo. Nous disons Amen. Amen. Tous les sous et Katimonsous. Pourquoi nous avons tant de temps? Nous avons comprendre très bien. Nous avons dit que si vous avez une occasion, vous pouvez vous visiter, n'est-ce pas? Vous pouvez participer à la croisade de Philippe Banda. Ok? Vous avez participé. C'est une expérience. Parce que vous tenez là, vous voyez aussi des choses qui se passent. Mais vous allez constater que ce n'est pas tout le monde qui guérit. Amen. Amen. Pour Nanini, parce que justement, il faut aller dans la foi.
même Jésus tu ne seras pas guéri. Il faut que toi-même tu aies cette foi-là. Est-ce que tu dis amen? Amen. Très important. Il y a, vous verrez même des paralytiques, des gens qui ont des problèmes, etc. Mais la parole nous corrige. Ne mettez pas la guérison. Amen. Quand on va venir maintenant, les serviteurs de Dieu, la foi na yo, dès que ça se rencontre, Dieu entre en jeu directement. Vous allez guérir. Est-ce que vous le comprenez un peu? Amen. Nous avons insisté place one. Batumin basé pour toucher Jésus. Mais Jésus a commis quelque part le mais qui m'a touché? Bah Pierre va lui dire, mais Seigneur. Tu vois les gens, la foule poussée de toutes parts. Yo zotou na, nani a touché yo. Ami Pierre, quelqu'un m'a touché. Jean a sali Pierre par le bikeba. Pour comprendre. Mamunika Seigneur a balouké en Yotala. Une femme est sortie. Elle a dit Seigneur, c'était moi. Abinko le zala kingai. A touché qui ndenenin. Vous comprenez? Ozala katia ngulba bat bat bele. Oh Jésus, bazo tindikai koto, mamusu bazo simbaye, pas de problème. À son bel côté. Quelque temps, par lui, qui m'a touché? A tout n'a pas de mingaï, boy. Pas tout à télé. Pierre a lui, mais Seigneur, tu vois bien que il y a plein de monde ici. Colo Pierre, hein? Pierre, c'est un homme normal. Hein? Réaction normale, il y a Moutou Yangouana. Seigneur, aujourd'hui, na yomuko bien que, awa fou les alliés, pas tout touché, yo. D'autres, tu m'as, au niveau de bâté, n'en a touché, aussi que tu le bézanan. A lui, Pierre, quelqu'un m'a touché. Et le mot, tu m'as dit, mingaï. Jean Lobby, Pierre Keba. Ma femme est Keba, mon Jésus est au Balouka. Azota la bâte. Pas la femme est sortie et s'est jetée à ses pieds. Seigneur, je me disais, si je peux seulement toucher son ami, j'ai entendu les miracles qu'il fait. Si je les touche, je crois que ma maladie va partir. Et quand j'étais touché, j'ai senti la guérison me traverser. Jésus a tali à Lobby, ma fille. Ta foi t'a sauvé. À part la guérison, elle a reçu le salut. Azoki pe lobi kwa moli monaye. Toba mazo benga ngo double expiation. Ah, azobi zali biteni mbali ali. Ali ali siko. Elle a reçu quelque chose. Azoki lokomoko. Elle se disait que si je le touche. Azala ko mulo basoka na simbika ka yevamba. C'est ça la foi. Kondima yango wana. Azala ki kondima ke akobiki sa masoka simbie. Quand il a touché, position y a zalaki na yango. Et sali que Jésus a télémi. Abike, une vertu est sortie de moi. Moutoumouka a bendi quelque chose. Puissance, a bendi force. Quelqu'un m'a touché. Moutoumouka simbi ngai. Est-ce que tu peux toucher Jésus aussi? Yo peko ko simba Yesu. Il faut cette foi-là, c'est pas nous corrigeons. Yamana te ko sembo la makanisi na biso. Il est l'auteur de la rédemption. C'est lui la guérison divine. Amen. Amen. Dans la prédication, Dieu dans son peuple, il y a 50. Alobi boy. Bien des gens ont une fausse idée de ces réunions. Ils pensent que, comme l'évangéliste ou la personne qui prie pour les malades est partie, toute la puissance de la guérison aussi est partie. Mais c'est une fausse pensée. Et nous devons changer ça. Et comme frère Banam n'est plus, on ne peut plus prier pour ceci. Non, ce n'est pas la personne. C'est Jésus-Christ l'auteur. Continuons. Dieu couvre la terre. Vous voyez? Peut-être vous dites, qu'est-ce qui fait que mon pasteur ne peut pas faire cela? Bien sûr, mes amis. Bien, mes amis. Ça, c'est une fausse impression qu'on a.
Votre pasteur, s'il est un homme pieux, ses prières seront exaucées, juste comme celles de n'importe quel évangéliste. Pasteur, Amen. Amen. Vous voyez, ou pour quiconque prétend avoir un quelconque don. Il est un homme de Dieu. Pasteur, on a dit, et vous devriez le respecter en tant que tel. Et croire en lui. Pasteur, nous disons amen. Amen. Ma fils, comme tu m'as passé le téléphone, je veux bien prier pour les gens, mais s'ils ne me croient pas. Tu me comprends, non? Attends, mais tu comprends. Mais s'il ne me croit pas, qu'est-ce que je vais faire? Si quelqu'un me dit, na zone d'ima, pasteur Yvete, à Makamone, il y a le kouta, na kouni malanga yangote. Bon, après, na zone, na problème, te na koubundi sa yote. Mais si koyo, olingi na prié pour na yo, si koyo na kousungonde nginin. Parce que déjà, position au zone angwana, même à ta na prié, au kopambo la mate. Amen. C'est ça le problème qui est là-bas. Délika mouzawana. Vous comprenez que tous en a foité, mais le banaïwa n'est que de côté les melokuna. Satan koloba, yo lingo benganga me yandi maka makambo yote uskoyo ngenin. Ok, esprit zoloba, il faut solo là. Voyez ces choses. Vous avez makambo yoboy. Voyez. Omoni. Et vous deviez le respecter en tant que tel. Et Dieu exaucera sa prière. Il est dit, confessez vos fautes les uns aux autres, hein, priez les uns pour les autres. Hein, afin que vous puissiez être guéris. Toute personne qui a le Saint-Esprit dans une certaine mesure a les dons de guérison dans une certaine mesure. Est-ce que nous disons amen? Amen. Donc, Azol Bakou, toi le bien, paragraphe 6, même prédication. La guérison divine n'appartient pas à un homme ou à un groupe. Le but qu'on a malade, il y a un groupe qui est en train de se ça n'appartient à aucun homme, à aucun groupe. Est-ce que nous disons amen? Amen. Elle appartient à tout le monde. Chasser les démons appartient à tout le monde. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tu ne peux pas dire, oh, moni, frère, il va bandou, ben, il y a des démons, le col à Philippe Banda, le col à Moni, il y a des démons, il y a des démons, il y a des démons. Chasser les démons, même toi aussi tu peux chasser les démons. C'est notre parole, c'est notre patrimoine. Est-ce que vous croyez la parole de Dieu? Le don de guérison n'a pas été donné pour être exhibé afin de tenir des campagnes de guérison à travers les pays. C'est la campagne minéne pour démontrer tout ça. Amen. 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 Le don de guérison n'a pas été donné pour être exhibé. Afin de tenir des différentes campagnes de guérison à travers les pays. C'est pas ça. C'est très bien de les tenir. Mais ce n'est pas là le but. Il devrait y avoir tout le temps une campagne de guérison dans chaque église, se tenant partout. Est-ce que nous disons amen? Amen. Et ça, et loco, vie normale, il y a église dans Zambé. Ça doit accompagner. Et ça, quand on prend la campagne, ça doit aller avec l'église tout le temps. Et le Seigneur travaille avec eux. Ce n'est pas que le Seigneur travaille avec eux seulement à la campagne d'évangélisation. Mais quand ils sont dans l'église là, alors le Seigneur ne travaillait pas avec eux, non? Ça doit être là tout le temps. Est-ce que nous disons amen? Amen. Oui. Donc ceci est très très important. Donc, le don de guérison
ezali ya moto fulani te ya yeye moko atambola kanango yenda sana ngo soka akeyi guérison esili te ni les miracles non plus. Est-ce que nous disons amen? Amen. Azolo banabi soke ceux qui bozali na Saint-Esprit alors ozana don de guérison na kati na yo. Tous ceux dont vous avez besoin et ça déjà na kati na yo wana. Ça y est là. Donc nous devons croire ça. Ce que ton dima yango penza. Et c'est tout le bien amen. Amen. Donc to longoli likanisi oyoboye ya quoi attribuer don de guérison à une certaine personne, à attribuer la délivrance à une certaine personne, à attribuer ceci à une telle personne. Est-ce que nous disons amen? Amen. Ah. Donc, ça n'appartient pas à tel ou tel tête. Ezali a songolo te parla te. Ezali a pas tout tout. Ezali patrimoine y a église. Nzamba pese mon église na ye. Amen. Vous pouvez parler en langue, vous pouvez délivrer les gens, vous pouvez prier pour les malades. Est-ce que nous disons amen à cela? Amen. Donc, cela se trouve en nous. Celui qui cherche la chose doit avoir la foi dans son cœur. Que Dieu soit béni à jamais. Qui a compris cela? Nana sosoli yango. Amen. Amen. N'est pas un aussi ici. N'est pas un Philippe Bandassir ici. Ouazad naye. Donc on l'a accueilli. Tout le bon. Délivrance est accueilli. Si quoi, ah ouais, mon soeur, vous priez pour la délivrance, c'est faux. Est-ce que nous disons c'est faux? C'est faux. Voilà. Donc, impression, on a pas besoin de corriger Bissonano. Il faut pas mazar beauté, yango yemoko. À quoi expliquer partout? Limbole la bango. Avec ceux qui n'ont pas de campagne qui n'est pas dans l'ombre, au moins le lobby va tout n'a pas besoin d'un de guérison. N'a pas besoin de boy. Ils ont dit, de guérison, ils ont dit, 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 ils même à tant qu'on a son dimanche, il sera guéri. Tant que tu as prié, le collègue a son angoté, il ne sera pas guéri. Il faut que tu aies un enfant. Alors, tant que tu as prié, Dieu va faire quelque chose. Amen. Combien ont compris cela? Bon, nous sommes solides. On a un point à l'iboso. Point à l'ibale. Nous allons prendre un autre point. Encore un autre point. Il faut, au moins, parce que vous ne pouvez pas avoir une foi correcte. Ce que vous faites ici, Yoka, ce qu'on comprend, moyen pour la foi est. Je vais vous montrer que la foi c'est comprendre. Jésus a l'objet, a l'objet que il y avait trois terrains. Ma belle, c'est la gimisato. A l'objet que ou quatre terrains peut-être. Tu mets la gimisato. Premier terrain, les motos n'as pas compris qu'en connaît et quoi nanzela le long du chemin. C'est fini. Deuxième terrain, ma banga. Alors, les recueillis, ma belle, c'est là qui vient dans mon zindote. À peine aller. Déjà étoyé. Mais tant que moi, je suis mis, le coin de la mississe à ma casité est Kaoki. Terrain à Mistat, et à la Kinzoube. Kone et Koye, na kati nzoube, on a l'air, et Moukete étoyé, bimi, et comme Kitok. Mais Nzoube est nye fouli. Bah, ni nous n'avons ce coup. Jésus expliqua lui que Nzoubewana est allé par souci à Moukili, par problème et belé au cause. Pas seulement c'est Zimami, le coup. Allez, mais Moussou se couille dans ma belle et ma lame. Amen. Amen. Grand Moukou est boti, 30 Moussou, 50 Moussou, 100. Allez, mais que celui qui a reçu la parole dans la bonne terre. Jésus a le bien à Jésus a le bien que c'est celui qui la comprend. Matthieu chapitre 13. Abi que celui qui a reçu la parole dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui comprend. Un grain produit 30, un autre 100, etc. Et lui, ce que vous comprendrez, il est moi, vous allez avoir foi pour manifester où est athée. Amen. C'est pourquoi nous expliquons ça. C'est pas la foi. Mais vous devez comprendre. Tu ne peux manifester que ce que tu as compris. Amen.
yangwana eloko ya liboso ba memaka liloba liloba ezo corriger biso pona nini parce que nzela kobeleka ka moko ya ko s'approcher na nzambe eza na nzela liloba na ye. Amen. Il n'y a pas un autre chemin nzela monsieur zalite eza na nzela liloba na ye. L'homme moto ne vivra pas akobika te de pain seul kaka na lipa ya pamba. Mais il vivra Asakubika, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est déjà noté au ciel. Et c'est comme maman alo lakuna. Ceux qui ont dit parole na vie na yo oko vivre te. Parce que balobi que pour vivre, il faut le besoin bi mana monoko na kolo. Amen. Nous disons amen à cela. Amen. Tous soyez les mains mi parler. Je vais dire quelque chose ici de très important. Na kotanga awe lokoko na moto ya mingi. Dans ici koyo eloko mi parler. Donnez-moi, je vais lire rapidement. Toi, tu vas m'interroger, ok? Maintenant, vous remarquez, Nazali n'a qu'à la prédication, l'année du jubilé. Mobu a jubilé. Tu tires les sons, mon goût, Kati Ao. Maintenant, si vous remarquez en symbole, cette année du jubilé se répète maintenant à nouveau. Ce mot est malin, mon mobu a jubilé, Zali, que ça, la marche sur les lots. Pour la balambe. Symbole. Le quoi, la ililingi? Ce mot, Sosoli. Mobuana, Mobuana, je vais vous dire ce que c'est que ça. De temps en temps, il y a un réveil qui frappe le pays. Balaming, ton temps, on attend, Bola Mukozeli, qu'on a fait dans Boka. Nous disons amen. Amen. De temps en temps, Balanambala, Alubike, Jibile, on a essayé de se répéter. De temps en temps, Ba réveil, Ezo Salamaka, Nakati Namboka. De temps en temps, il y a un réveil qui frappe le pays. Comme ce grand réveil de Gal qui vient de se terminer. Nous disons amen. Amen. On avait vu le réveil de Gal, non? C'est comme le réveil là. C'est un jubilé. Jubilé. Chaque fois que le réveil est au coin, il est jubilé pour la battre. Amen. Amen. Comme ce grand réveil de Gal qui vient de se terminer. Nous sommes en 1954, l'année du jubilé. 1954. Alobi, on pourrait avoir des Billy Graham. Oral Roberts, Roberts à travers les pays. Peu importe l'effort. L'importance que l'effort que l'on mettra à rassembler notre peuple, les unir, il faudra Dieu pour susciter un réveil. Makamunyoso est un mutu ya Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu comprends, Nona? Amen. C'est quoi, tu sais, le deuxième point? Ouazo, il s'est mis sur le bique. Ata tozana ba Billy Graham, Boral Robert, c'est-à-dire, ba teyo bazana ba don baza ko manifester puissance yanzambe tout ça. Ata tozana ba ngondenge nini. Alléluia. Amen. Na zongeli wana. On pourrait avoir des Billy Graham et des Oral Roberts à travers le pays. Et peu importe l'effort, l'importance. L'importance de l'effort que l'on mettra à rassembler de notre peuple. Et les unir. Il faudra Dieu pour susciter un réveil. Ata batowana baye to bengi ba tibi Yoshua to bengi ba prédicateur minene baye tout ça, malgré ça ce n'est pas suffisant. Il faut nzambe ye moko abota réveil. Amen. Nasoni toujours dans la sabino que il ne faut pas que tu likolo ya mutu to continue muke. On est nazali na paragraphe 63 c'est kao na bandeki na 62. On essaye d'avoir une organisation d'hommes d'affaires. C'est bien. Ils essayent d'avoir une association de prédicateurs interconfessionnels. Tout cela est bon. Mais frère, tant que c'est l'homme qui est derrière ça,
ça n'accomplira jamais rien. Mais il faut que ça soit l'Esprit de Dieu qui vienne parmi les gens. Amen. Ah, voilà que expliquer. Nous allons faire maintenant l'association des pasteurs interconfessionnels. Ce n'est pas ça qui va résoudre les problèmes. Ce dont on a besoin, nous n'avons pas besoin de grands prédicateurs, on a besoin du réveil. Alors que aussi longtemps que toujours ça l'association y a tel, toujours c'est Makambobi Somoko. Ça c'est l'homme qui est derrière. Mais quand la gloire et la puissance du Saint-Esprit commencent à descendre. Amen. Bato bazo kede akangi boutique. Moyen pour toi que ça t'a faut quand même dire que prier. Donc partout les Saint-Esprit sont en train de saisir les gens. Yoka, tout le banan mon frère. C'est ce que l'Amérique a besoin ce soir. C'est ce que la RDC a besoin ce matin. On n'a pas besoin de Billy Graham. Oral Robert, c'était. C'est dont nous avons besoin ce matin. C'est le Saint-Esprit au milieu des gens réclamant l'année de la liberté. C'est exact. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle organisation. Nous n'avons pas besoin de nouveaux fonctionnements. La seule chose dont elle a besoin, c'est du Saint-Esprit dans sa puissance de conviction. Vous voulez bien, amen? Amen. Vous voyez ce dont on a besoin? On peut faire venir tous ces grands prédicateurs là ici. Ils peuvent prêcher. Ça ne résoudra pas le problème. Il faut le glorieux Saint-Esprit. Il entre en chez lui-même. C'est de cela dont nous avons besoin. Oh, que Dieu soit béni à jamais. Oh, gloire à Dieu. Et lorsque ce réveil a commencé, laissez-moi terminer ici. La seule chose dont on a besoin, c'est du Saint-Esprit dans sa puissance de conviction. Vous pouvez prêcher l'évangile à engrisonner. Vous pouvez faire des signes et des prodiges à engrisonner. Mais à moins que Dieu n'agisse parmi le peuple, et commence à se mouvoir. Kasi kaka nzambe moko akotakati na batu ba na kotepati ba nakati na bato. Doko kote ya ti suki ko mi pembe. Abi doko ko sala ba miracle, tu ko bengi sala ba prédicateur ba sala ba miracle. Il dit ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit Dieu qui vient parmi les gens. Et qui a le feu du Saint-Esprit. Et qui est réveillé dans les cœurs du peuple. Oh. Moi j'ai soif de ça, bien-aimé. Oh my God. Amen. Écoute ce qu'a dit le prophète. Dit, nous pouvons commencer une réunion et accomplir des signes, des miracles et des prodiges. J'ai remarqué ici. Je sors parfois. Dans les réunions, les aveugles voient, les sourds entendent. Les gens viennent voir. Et les gens viennent voir. Et disent, oh, c'était merveilleux. Et lorsque le réveil est terminé, les réunions sont terminées, vous n'entendez plus parler d'eux. Ils sont retournés à leur occupation. Oh, voyez-vous cela? Ce n'est pas d'un nouveau prédicateur qu'il faut ce matin. C'est du Saint-Esprit parmi les gens. Pour les secouer, les affamer. Les assoiffer de justice. Quelqu'un dira amen. Amen. Voilà ce qu'il faut pour Dieu. Pour l'église. Il faut le Saint-Esprit parmi les gens. Il y en a un dans le baquet. Idée à l'Iboso. Dans l'Axibino. Il faut mutuboy.
Alors, il y a un peu de temps, il y a le Saint-Esprit qui est mort. Amen. Deuxième idée, c'est quand il y a un peu de temps, il y a besoin. Et là, il y a le Robert, c'est-à-dire, le prédicateur est amené à l'été. Tu as besoin d'un réveil, wana. Amen. Tu as besoin d'un Saint-Esprit, aya ko wendre batu. Anuma batu na se ya conviction. Est-ce que nous disons amen? Amen. Là où les hommes et les femmes vivent craignant Dieu, respectant Dieu, ils seront à l'église en train de prier. Ils ne passeront pas leur temps à autre chose. Ils vont s'adonner à la prière. Nous disons amen. Amen. La Bible dit que l'église primitive, ils se réunissaient tous sous les portiques de Salomon du temple. Et là, ils priaient, brisaient le pain. Et les miracles se faisaient là-bas. L'Esprit de Dieu était parmi les gens. Je crois qu'on a besoin de cela, non? Est-ce que ce n'est pas ça ce qu'il nous faut? L'Esprit de Dieu nous montre ce qu'il nous faut. C'est ce réveil-là dont on a besoin. Quelqu'un dira gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ça, c'est le second point. Le troisième. Troisième point. J'ai vu vous montrer que c'est une prophétie. Alors, ça veut dire que c'est une prophétie. Le Kambotozo de Bawana, que Saint-Esprit a Aïa, Aïing et la Kat, Nambi, ça va nous faire la bongo. La relation est une prophétie. Et que le prophète a prophétisé là-dessus. Nous disons amen. Amen. Et Seigneur, tous les mikolo ebelete, il faut tous les na yango. Amen. En tout lieu, tant batibami, bakani, balapi, baye devant Nzambe. Alléluia. Amen. Bible le dit que du haut des cieux, Dieu va exaucer. Utana makolo Nzambe wa yanola. Dieu tient sa parole. Écoute ce qu'il dit. Je vais vous dire, je suis au paragraphe 215. Je commence par là. Je vais vous dire ce qui est arrivé la semaine dernière. Des choses absolument extraordinaires sont arrivées au cours de la réunion. Sur l'estrade, bien entendu. Et j'en suis... Je suis en train d'accéder à un genre de choses. On dirait que c'est de plus en plus grand qu'auparavant. 216. Je suis venu sur l'estrade. Et Dieu a donné un don prophétique. Ça, c'est indiscutable. Je peux vous le prouver. Ici même. Ça c'est indiscutable. Mais je vois que il ne fait pas le travail comme il faudrait. Le don prophétique là. Mais je constate qu'il ne fait pas le travail comme il faut. Mais je vois qu'il ne fait pas le travail comme il faudrait. Parce que ce n'est qu'un don. Et une autre chose, il s'agit d'un individu. Ça se rapporte à un individu par l'entremise d'un don. Mais l'autre jour, j'ai fait quelque chose. J'ai essayé d'amener les gens de Auckland au grand stade. J'ai amené les gens, j'ai dit seulement sa présence. Je m'en suis tenu strictement à la parole. Et j'ai réussi à amener les gens. Vous voyez cela. Vous savez quoi? Il y a eu plus de guérisons, je crois, que tout ce que j'ai vu jusqu'à présent au cours d'une seule réunion. Hormis des grandes réunions,
comme en Afrique et autour. Mais par rapport au nombre de personnes présentées. Alors, il dit que Asanili Donte a mis la parole. A mis la parole, Alors, il dit que guérison est salamaki. Alors, et le cas qui. Nous disons amen. Amen. Asalini, asalini loba. Alors dit don, c'est vrai. N'a pas prouvé bino don en tout ça. Mais où ça la musala n'engue singe la quitté. Alléluia. Ce que j'ai fait, n'a même pas ton présence ya kolo par la parole. Nous disons amen. Amen. Les gens reconnaissaient simplement la présence de Dieu à la réunion. Ils reconnaissent. Voyez cela. Ils restaient simplement assis là et ils entraient dans la présence de Dieu. Voyez. Et les gens se levaient, guéris, des yeux qui louchaient étaient redressés. Nous disons amen. Amen. Rien que présence ouana. Batouelle va couper la présence ouana. Alors dit que Asan lui donte et lui la parole. Qu'est-ce qu'il a constaté? Quand on va couper la présence ouana, il y avait des gens qui se levaient. Il y avait des aveugles. Ils ont vu les paralytiques marcher. Miracle et salama qui et les cas qui les rassaient la cadon. Nous disons amen. Amen. Nous disons amen. Amen. Écoutez. Yoka. 218. Je crois qu'il viendra un temps. Vous suivez? Je crois qu'il viendra un temps. Paul a dit. Paul a l'obaki. La prophétie prendra fin. Les langues cesseront. Je crois. Nandimi. Qu'il viendra un temps. Où quand les saints se réuniront comme ceci. Un esprit d'amour. Va envahir tout simplement le victoire. Et tout simplement, toutes les personnes présentes, tout ce qui est mal sera ôté d'eux. Il y aura une telle présence du Saint-Esprit. Est-ce que nous disons amen? Amen. Vous voyez, bon, cela arrive. C'est une prophétie. Il dit il y aura un temps. Parce que moi-même j'ai vu ça. Nous avons eu un réveil en 1999 dans notre petite assemblée. Je suis allé prier. Dieu m'a donné ce passage. Parce que j'ai vu ça dans la vision. Nous étions dans la réunion comme ça. J'ai vu des aveugles eux-mêmes recevoir la. À cause de la présence qui était dans la salle. J'ai vu des aveugles ouvrir les yeux. Ceux qui avaient des bras, se redresser. J'ai vu ça dans la vision moi-même. À part ce que Frère Branham dit ici. Moi-même, j'ai vu ça. Dans mon bureau, j'avais les mains levées. J'ai vu la chose. C'est pourquoi je suis en train de croire que ça, c'est le mouvement du Saint-Esprit. Je suis en train de croire que Dieu veut continuer à travailler avec nous. Je suis en train de croire que le Saint-Esprit est en train de vous chercher. Amen. Allô, bien. Je crois. Maintenant, ça, ça y est. Nous devrions leur imposer les mains et prier pour eux. Il s'agit d'un contact. Peut-être un prédicateur qui est loin et qui impose ses mains simplement pour une bénédiction de Dieu. Amen. Mais je crois qu'il viendra un temps où l'église de Dieu sera tellement appelée hors assortie comme ça que les saints seront assis ensemble et alors le Saint-Esprit entrera simplement et il se déplacera dans l'auditoire tout comme au jour de la Pentecôte et il guérira les gens tout simplement ressuscitera les gens et des choses glorieuses. Je commence à voir ces choses arriver. Amen.
Vous voyez cela? C'est ce que nous prêchons. Nous croyons ceci. Philippe a fait prier pour moi. Parce qu'il veut prier pour moi. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Vous êtes appelé à recevoir le Saint-Esprit. Vous êtes appelé à recevoir le Saint-Esprit. À manifester le réveil de Dieu. Vous êtes appelé à vivre dans le Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu vous a donné. Béni soit le nom du Seigneur. Ces dons-là nous ont montré que la puissance de Dieu existe. Alors nous croyons que celui qui fait cette puissance, le Saint-Esprit, il est ici avec nous. Amen. Je suis en train de croire. Alléluia. Amen. Ta captivité est terminée. Ta servitude est terminée. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce réveil, c'est pour toi et pour moi. Tu es candidat à un réveil. Dieu te cherche. Dieu veut avoir des hommes et des femmes qui prient jusqu'à ce que ce pays tremble. Jusqu'à ce que les choses changent. Dieu a besoin de ça. Nous allons marquer l'histoire de ce pays. Ah, tokotika sango. Nous n'allons pas nous arrêter à dire seulement qu'on a le message. Nous voulons qu'on parle des gens qui ont le Saint-Esprit, qui ont manifesté son message. Amen. Le temps est arrivé. Satan a régné. Satan a konzaki. Son temps est terminé. Maintenant c'est le jour où le Seigneur a dit: je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. C'est ce temps-là maintenant. C'est un jubilé. Ezali jubilé. Je vais dire ceci. Chaque démon qui te lie doit te lâcher. Pourquoi? Parce que c'est le jubilé. Le jubilé. Le temps est arrivé. C'est l'année de jubilé. L'année de liberté. L'année du Saint-Esprit. Retournez dans votre pays. Votre pays, c'est le Saint-Esprit. Tu as été créé pour vivre dans le Saint-Esprit. Tu as été créé pour parler par le Saint-Esprit, marcher par le Saint-Esprit, vivre par le Saint-Esprit, travailler par le Saint-Esprit. Alléluia! Amen. C'est ça votre position. C'est ce que Dieu nous a donné. Amen. Nous avons quelque chose. Le Saint-Esprit. Il nous appelle. Nous voulons un Saint-Esprit qui guérit les malades, qui ouvre les yeux des aveugles, qui brise les prisons. Un Saint-Esprit change nos vies. Nous devenons des femmes et des hommes saints marchant dans le Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'est-ce que le péché devant l'épouse? Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que la bière? Qu'est-ce que la cigarette? Qu'est-ce que le maquillage? Nous avons la puissance pour marcher au-dessus de ces choses. Nous avons la puissance pour marcher au-dessus de toutes ces choses. Béni soit le Seigneur. Votre captivité est terminée. Votre esclavage est terminé. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des esclaves de l'assemblée. Nous sommes les esclaves de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est votre jour maintenant. Le Saint-Esprit vous cherche. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous vous asseoir un moment. Oh my God.
Le Saint-Esprit Molimo Santo a été envoyé dans ce but-là. Atina magina ntina wana. Dieu, quand il te regarde, tanda mazota la yo, il veut te voir dans le Saint-Esprit. Ali komo na yo katina Molimo Santo. Le Saint-Esprit, le diable ne l'aura pas. Molimo Santo, le diable a été envoyé à ta mukolo mokote. Le Saint-Esprit c'est pour toi et Molimo pour moi. Azali po la yo pe po la ngai. Le Saint-Esprit Molimo Santo va accomplir dans votre vie akosala katina bomo na yo le destin divin. Oye nzamba kanaki po la bomo na yo. Tout ce que Dieu avait préparé dans ta vie. Le Saint-Esprit va l'accomplir. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Là-bas, je suis racheté. Je suis racheté. Je suis béni par l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vous ai dit que Jésus-Christ est la réalisation Azali kokokisa mapenza ou l'accomplissement du salut que Dieu avait promis. Azali kokokisa mayalobi ko nzamba lakaki. Il est la délivrance que Dieu avait promis. Azali kokangola ma nzamba lakaki. Il est la guérison. Azali biko na maladi. Il est tous les actes rédempteurs et leur réalisation. Yes, Azali misana yo sali siko pe kokokisa na nyoso wana. Quelqu'un dira amen. Amen. Alors Jésus-Christ par son œuvre en tant que rédempteur a satisfait à tous les besoins de l'homme. Il nous a arrachés de notre condition déchue. Il nous a arrachés de l'esclavage, de la servitude. C'est déjà fait. C'est une œuvre achevée. Il suffit pour nous de l'accepter. Est-ce que nous disons amen? Amen. Quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es la personne la plus privilégiée. Alléluia. Amen. Quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as tout ce dont tu as besoin. Jésus est tout pour toi. Il est ta guérison. Il est ta percée. Il est ta élévation. Il est toute chose pour toi. Il est ta paix. Il est ta joie. Jésus est tout pour toi. Voilà ce qu'il est pour toi. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un va dire, je suis heureux. Parce que j'ai reçu Jésus dans ma vie. Je connais un sauveur. Je connais un Dieu qui m'aime. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je l'acclame. Je le loue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau, par le Saint-Esprit, la délivrance, c'est votre droit. La guérison, c'est votre droit. Le Saint-Esprit, c'est votre droit. La sainteté, c'est votre droit. La paix, c'est votre droit. La sainteté, amen. C'est votre droit. Dieu est là pour te le donner pour que tu le vives. Béni soit le Seigneur. Oh my God. Amen. Vous avez des choses. Vous avez la parole. Le prophète dit que la parole possède. Écoutez, nous allons lire cela. Croire Dieu. Paragraphe 109. Alors, il y a 600 et quelques promesses faites directement à l'église dans les jours, dans les derniers jours. Ailleurs, il dit que c'est 630 promesses. 630. Faites directement à l'église pour les derniers jours, disant que ces choses s'accompliront. Alléluia. Amen. Et sa puissance est exactement la même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout ce que vous direz en priant, désirez. Tout ce que vous désirez en priant, vous voyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alléluia, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Les choses que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez des plus grands. Quand je m'en vais au Père, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que tu dis amen? Amen.
Ne croyez pas cela, frère. Il dit, voyez-vous cela? C'est la volonté de Dieu de le faire. Oui. C'est seulement Satan qui vous ravit votre guérison. Vous voyez cela? Quand les diables essaient de vous attaquer, il essaie de vous arracher votre guérison. Voyez-vous cela? Nous disons amen à cela. Au moins 630 promesses. Écoutez quelque chose. Si quelqu'un vient et vous les donne, si quelqu'un près d'ici a fait une certaine chose pour vous et vous permet d'être guéri, cela ne vous inspire pas. Mais voici ce qu'il y en est pour celui qui croit. Je suis guéri maintenant. Écoutez maintenant ceci. Si Dieu descendait et me guérissait vraiment à l'instant même par un miracle, cela ne serait pas aussi grand que si je peux voir la promesse et la recevoir, l'accepter dans mon cœur et puis dire Jésus me guérit maintenant car je l'ai accepté. Car j'ai accepté sa parole. Elle est dans mon cœur. Il intercède maintenant pour moi auprès du Père. Je serai guéri. Ouais, cela. Voilà ce que Dieu aime. Tenez-vous ferme sur sa parole. Et dites, c'est juste. Il me guérit maintenant. Chaque jour. Continuez à dire cela. Dis amen. Amen. Si Dieu descendait ici, et il fait un miracle et à guérir Ngaï. Alobi, et koki ko le kamune nete, na oye na talika ka liloba boy na lobi ke, le kola ba lobi boy Ngaï nandimi, na za déjà guéri. Et ça n'est plus. C'est plus que ce qui nous a quitté à guérir directement. Amen. Est-ce que vous comprenez la chose? Amen. C'est pourquoi j'ai pris le titre là, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Oui, c'est là. Demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Si vous demeurez et que mes paroles demeurent en vous. Donc, nous avons dit tout à l'heure, on n'a pas besoin d'un billigramme. On n'a pas besoin de ceci ou cela. On a besoin de se réveiller. Nous disons amen. Nous avons besoin de se réveiller parmi nous. Qu'est-ce qu'il nous faut? On n'a pas besoin d'un homme. Il suffit seulement de regarder la parole et dire, je crois cette parole. Je crois ce que la parole a dit. Et la parole va faire le miracle. Parce que la parole est Dieu. La parole c'est Christ. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ce que j'ai voulu apporter ce matin ici. Nous avons la parole. Amen. Amen. C'est la première chose. La parole vous permet d'avoir accès à votre héritage. Amen. Amen. La parole. L'iloba. Pourquoi? Parce qu'elle vous montre ce que Dieu a en réserve pour vous. Et la parole contient en elle-même la puissance créatrice. Tu peux prononcer la parole et la chose arrive. La parole ne retourne jamais sans avoir accompli ce pour qu'elle est sortie. La parole est une semence. Quand vous la semez, elle se reproduira selon son espèce. La parole, c'est comme un marteau qui frappe un roc. La parole est un feu qui dévore tous les ennemis. Vous les croyez? Du moment où tu es né de nouveau. Amen. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. La parole, c'est ton patrimoine. Tu es un Dieu. Tu es comme ton Père céleste. Amen. Amen. Tu as un partage. Des choses célestes. Tout ce que commande la
ta parole, ça fait partie de toi. Et tu peux commander les démons parce que tu as la nature divine. Pourquoi? Parce que tu es devenu participant de la nature divine. Tu peux prononcer la parole. Jésus a dit, si tu dis à la montagne, Jésus croyait dans ce que la parole disait qu'il était. Et toi aussi tu dois croire dans ce que la parole dit que tu es. Tu peux déplacer la montagne. La montagne de la maladie. La montagne des échecs. La montagne de pauvreté. Tu peux chasser ça. Tu as droit à la délivrance. Tu as droit à la prospérité. Tu as droit à l'élévation. Tu as droit à la guérison. Tu as droit à la paix. Tu as droit à la joie. Tu as droit à la bonne santé. C'est ça votre partage. C'est ça votre patrimoine. C'est ça qui vous appartient. Amen. Les échecs, ce n'est pas ta portion. Et l'humiliation, ce n'est pas ta portion. Les pleurs, ce n'est pas ta portion. Ta portion, c'est la gloire. Tu es un fils du roi. Tu es une fille du roi. Alléluia. Amen. Tu as droit à l'honneur. Tu as droit à la gloire. Tu as droit à la prospérité. Tu as droit à la délivrance. Tu as droit à la guérison. À la bonne santé. Tu attends cela. Tu ne dois plus être comme avant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, les maladies sont passées, les bampiakas sont passées, les échecs sont passés. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Béni soit le nom du Seigneur. La parole est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. C'est à toi de prononcer maintenant. Commence à prononcer que j'ai ma guérison, que j'ai mon travail, que j'ai ma prospérité. Commence à les prononcer, car c'est ça votre portion. Dieu vous l'a donné. Tu peux parler la parole. La parole a la force, la puissance de créer. La parole peut créer. La parole peut transformer. La parole peut changer les choses. Béni soit le Seigneur. Ces paroles sont esprit et vie. Laissez-les à la terre passeront. La parole ne passera pas. La parole est dans votre cœur, dans votre bouche. Prononcez la parole. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Si tu crois, parle. Pourquoi crier? Parle. Vous nous suivez de partout dans le monde à travers notre chaîne Logos Fontaine. Comme vous le savez, il est évident que chaque dimanche, nous nous réunissons pour prier le Seigneur. De ce fait, les chrétiens de cette église ne sont pas restés indifférents. Ils ont voulu s'exprimer d'une manière concrète sur la prédication d'aujourd'hui. Nous allons vous proposer deux ou trois personnes. Je suis dans la commune de Ngaliema. La prédication d'aujourd'hui, normalement, je l'ai suivi à toute précision. Ce qui m'a attiré de plus, c'est ce que le Saint-Esprit, ce que le Seigneur a démontré. Nous avons vu la puissance du Saint-Esprit descendre et il a fait des choses. Et comment il a fait des démonstrations qu'il a fait au sein de son église, et nous avons vu comment il a accompli des choses, il a chassé des démons, et c'était merveilleux. Et que Dieu soit loué dans tout ça. Merci. Est-ce que vous avez été béni? En fait, moi précisément, j'ai été béni. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de quelle commune? Je suis de Ngaliema. Merci, bien-aimé. Nous venons de vous voir sortir, certainement que vous avez suivi la prédication. Oui, j'ai bien suivi la prédication. Ça nous donne la position en Christ. Et cela me montre aussi que nous avons été délivrés avant la fondation du monde. Christ nous a dépouillé, il a dépouillé tous les démons. Il nous a donné la victoire et la bénédiction, mais nous étions ignorants. Et c'est maintenant que Dieu vient de nous ouvrir pour que nous puissions prendre possession de notre héritage. C'est vraiment merveilleux. Merci beaucoup. Merci. Bonjour maman. Bonjour. Ok, qu'est-ce que tu as compris de la prédication d'aujourd'hui? La prédication d'aujourd'hui,
J'ai compris qu'il faut avoir la parole de Dieu et le Saint-Esprit. C'est cela notre conscience, c'est cela notre capacité. C'est cela qui doit diriger nos vies en tant que croyants. Merci. Bon, en nous voyant, il y a une deuxième service de délivrance qui s'est fait. Je vais vous parler d'une manière brève comment cela s'est fait et pourquoi. Oui, de manière brève, nous voyons la puissance du Saint-Esprit se manifester. Quand le pasteur était en train de prêcher la parole, après elle a fait prêcher, on priait ensemble et il y a des gens qui ont manifesté les mauvais esprits. En un, les esprits commençaient à parler, à s'agiter pendant que le pasteur commençait à prier. C'est ainsi qu'on les a amenés devant pour leur délivrance. Donc pour leur suivi, donc on a commencé à prier pour eux pour suivre. C'est ainsi que le culte continue jusqu'à maintenant. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît. Il y a un premier service qui vient de s'achever. Il y a un deuxième service de délivrance qui continue. Vous parlez de la manière en bref, comment de la délivrance. Bon, la délivrance, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour le peuple de Dieu. Au fait, c'est le réveil qui amène tout ça. Quand il y a le réveil, il y a la délivrance, Dieu baptise du Saint-Esprit et ça, c'est ça. Quand vous le constatez, il y a un deuxième service qui s'est fait, c'est le service de délivrance. Et ensemble avec vous, nous allons suivre comment cela va se passer. Certainement, Dieu est en train de délivrer les gens. Alors, partout où vous nous suivez, n'hésitez pas de venir. Car l'homme de Dieu est là et Dieu manifeste sa puissance en nous. La Bible dit, là où d'autres sont assemblés à son nom, il est parmi. Alors nous appliquons juste la parole que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est parmi. Et Dieu est parmi nous, il agit à travers de son serviteur Yves Kalombo. Que Dieu vous bénisse.